Mais... Oh, c'est un égarnement. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Non mais c'est... Comment? Résidence de Miss Barton, Florence à l'appareil. Ah, oh, Florence, c'est Miss Marple. Oh, Miss Marple, comme je suis contente. Il paraît que vous venez nous voir bientôt. Oui, très bientôt. Comme elle va être heureuse de vous retrouver. Tellement heureuse. Miss Barton, oh. Miss Barton, téléphone, c'est Miss Marple. Elle était dehors. Je la vois qui arrive, Miss Marple. Elle arrive. Florence! Ne criez pas comme une folle! On vous entend jusqu'à l'église! Passez-moi ça. Jean? Oh, ta Florence a une voix de stentor à réveiller les morts! Oui! Mais j'ai une telle chance de l'avoir à mon service depuis si longtemps! Ah. Elle me portera dans ma tombe. Tu étais sortie? Non. Enfin, oui. J'étais au cottage à finir de retirer les housses et à remettre un peu d'ordre dans les livres. Oh, tu as de nouveaux locataires? Oui. Ils arrivent dès cet après-midi. Mes londoniens, comme je les appelle. Ah. Londoniens? Et d'un coup, je me demande si le cottage et son confort tellement campagne vont leur suffire. Oh, tu crois qu'ils sont difficiles? Comme tous les londoniens au-dessus de la mêlée, c'est certain. Mais c'est pour une convalescence. Alors, ça devrait aller. Ah? Les Burton. Ah. Burton, Barton. Amusant, n'est-ce pas, comme nos noms se ressemblent. Je disais ça l'autre jour à Mrs. Calthrop, la femme du pasteur, que j'allais avoir des londoniens qui s'appellent presque comme moi. Bref, ils sont frères et sœurs, je crois. Mrs. Calthrop dit que ça va sûrement faire jaser. Le jeune homme est un aviateur. Il a été très gravement blessé dans un accident. Il faut qu'il se repose. Donc, vous voici entièrement chez vous. C'est formidable, n'est-ce pas, Jerry? Oui. À toi les heures de repos. Monsieur Burton, vous verrez, Limstock est l'endroit rêvé pour oublier ses malheurs. Et en moins de deux, vous serez à nouveau sur vos deux jambes. Sur tes deux jambes, prêt à gambader comme un cabri. Bien, bien, je ne vais pas plus m'attarder. Partridge! Partridge! Ben dis donc. Oui, Miss Barton? Bon, Partridge, je vais y aller. Ah! Faites bien attention avec le radiateur à gaz de la chambre verte. Au moindre courant d'air, la flamme s'éteint. Oui, 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 je sais. C'est le seul souci de ce petit paradis. Allez, je vous dis à très vite. Occupez-vous bien de Partridge, ma fille. Sur ce, j'y vais. Bye. 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 Eh ben, elle est sympathique, cette Miss Barton, non? Ah, mais j'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Comme tu y vas. L'hospitalité provinciale, voilà tout. Que ne ferait-on pas pour toi? Tu es contrariée?
On est bien loin de Londres, c'est ça? Mais non. Je suis sûr que nous allons nous y plaire. Faisons de ce cottage le nôtre. Et tu verras, tout ira bien. C'est plus pour toi que ça va être dur, Sorette. Ta petite bande de copains va te manquer. Tu fumes trop. Tu en veux une, c'est ça? Oui, lance-moi une. Tiens. Oh, Thierry, tu as vu? Quel joli coussin. Fleuri et vieillot. Ils vont si bien avec notre logeuse, la pétulante Miss Barton. Elle ne te lâchait pas des yeux, hein? Je ne sais pas si tu as remarqué. Voilà quelqu'un qui vient. On est plus populaire ici qu'à Londres. Ce doit être le docteur Griffiths. C'est Jarvis qui a dû le prévenir. Docteur Griffiths. Enchantée, je suis Joanna, la santé hospitalière. Il est par là. Déjà? Bonsoir, docteur. J'ai appris que vous étiez arrivé, je me permets de venir à l'improviste. Alors, comment va notre blessé? Jarvis a dû vous dire, non? Vous avez eu beaucoup de chance, selon lui. Une jambe cassée seulement dans ce genre d'accident, un vrai miracle. Un vrai miracle? 3 mois que je boite comme un malheureux. En première vue, Jarvis a fait de l'excellent travail. Allez, laissez-moi voir. C'est bientôt la fin, non? Après, il vous faudra juste reprendre sur un rythme plus posé. Limstock vous y aidera. Vous vous sentez comment, sinon? Entravé. Et ce plâtre me pince. Ma sœur râle. Bon, sinon, tout va bien. Votre sœur, il me paraît. Oui. Pardonnez-moi, docteur, hein, je... Nous venons de recevoir une lettre. Une lettre au contenu infâme. Quoi? Du calme, Sorette, voyons. Que se passe-t-il? C'est ce qu'on appelle une lettre anonyme. Tiens. Lis. Je... Mais c'est idiot. C'est complètement idiot. Est-ce que tu as vu ce qu'on dit de moi? Ah, en effet. J'apprends que tu n'es pas ma sœur. Ravi de le savoir. Et... Ah oui. Excuse-moi, Joanna, excusez-moi. Et tu serais une putain outrageusement maquillée. Bon, eh bien, on ne nous souhaite donc pas la bienvenue. Être traîné dans la boue? Mais quel est le malade? Eh bien, il n'a pas tardé. Sachez que vous n'êtes pas les premières victimes de ce genre de correspondant. Le corbeau de Limstock sévit dans notre village depuis quelque temps. C'est ridicule. Mais j'ai moi-même reçu une de ses lettres. Ah, et personne n'a idée de leur auteur. J'aimerais bien. Voyez-vous, ce genre de message obéit à différents mobiles. Il peut émaner d'une personne qui s'est trouvée offensée par vous et qui se venge ainsi. Un domestique renvoyé, une femme abandonnée. Ou bien il peut s'agir de la vengeance exercée sur l'ensemble d'une population donnée par un être frustré. Et ça dure depuis? Je l'ignore. La plupart de ceux qui ont eu affaire au corbeau n'ont pas forcément envie de le faire savoir. Voilà, Mrs. Potter, regardez, devant le magasin du laitier. Où ça? Ben voyons là. Lui sort de cette voiture que conduit Miss Burton, probablement sa sœur. C'est une jolie jeune femme, très élégante, non? Et lui est plutôt beau garçon, un peu mal en point en ce moment. Un accident d'avion à son âge. Sa sœur? Oh, mais regardez-moi ça! Nous allons assister à une collision. Mais gagnons de terre, attention! Oh, vous avez bien fait. Il s'en est fallu peu pour qu'elle rentre dans ce pauvre Mr. Burton. Meghan Hunter. Dire que c'est la belle-fille de Mr. Simington. Décidément une drôle de créature. Vous avez vu son allure. Un vrai garçon manqué. Quel âge donnez-vous, Mrs. Potter? 16 ans? Pourtant, elle en a 20. Elle est vêtue comme l'as de pique. Tout dépenaillée. Et elle n'a pas vraiment l'air décidée à trouver la sœur. J'avoue aimer son joli sourire. Elle pourrait s'arranger un peu, voilà tout. Hein. Je me demande bien ce que c'est de là pour se raconter. Allons voir discrètement. Je paierai même pas cher pour le savoir. Oh, voyons, Mrs. Potter, ne souriez pas comme ça. Chut,
Allons, de rien. Je viens de la ferme des Lachats. J'ai acheté des œufs de canard. Ils ont d'adorables petits cochons. Vous aimez les cochons, Mr. Burton? Et vous, Miss Burton? Oui, oui, bien sûr. Bah, puis-je vous faire remarquer, jeune fille, que votre bas a filé à deux endroits? Hein? Oui. Je sais. Oh, vous savez, je suis qu'une grande étourdie. C'est pas bien grave, la toilette m'est tellement indifférente. Je ne suis pas comme votre sœur. Merci. Je suis le vilain petit canard, comme tout le monde le sait à Linstock. Déjà, faut que j'y aille. Jerry, j'ai oublié de te dire, Partridge m'a annoncé que Béatrice, la fille à la journée, ne viendra pas aujourd'hui. Ah. Elle est malade? Que lui arrive-t-il? Ce n'est pas ça. Elle n'est pas malade. Elle aussi a reçu une lettre anonyme insinuant que... Enfin, toi, elle... Vous... Mais c'est insensé. Je la reconnaîtrais même pas si je la croisais dans la rue. Mon Dieu, mais quel patelin! Calme-toi, Jerry. Voyons, calme-toi. Ce ne sont que des insinuations et sans doute d'un malade. Ça ne sert à rien de... Ah! Marche ou érode. On arrive chez Mr. Pye. Calme-toi. Oui, oui, hum? J'ai hâte. Non, mais vraiment. Tenez, allongez votre jambe sur ce pouf. Merci. Un peu de musique? Oui, volontiers. Vraiment, Mr. Pye, vous êtes aux petits soins pour mon frère. C'est tout naturel. Le malheureux doit être tellement gêné par cette infirmité. Provisoire, je l'espère. Je l'espère. Vous voir diminuer comme cela, c'est trop triste. En tout cas, quel bonheur pour nous autres de vous avoir à Linstock. Vraiment, Mr. Pye. Ce n'est pourtant pas la vie de tout le monde. Vous ne voulez pas dire que... Oh non. Vous? Vous aussi? 12 enfants, auriez-vous reçu une de ces lettres immondes? Oh là là! Mais rassurez-vous, enfin, si je peux dire, il paraît que plusieurs personnes du village y ont eu droit, eux aussi. Monsieur Rattle, notre boucher, Miss Lockridge, cette charmante infirmière, pourtant si dévouée, et puis Mrs. X, la fleuriste de la grande rue. Combien en tout, Mr. Pye? Je l'ignore, ma chère. Je l'ignore. Je ne suis pas le secrétaire du corbeau. C'est troublant tout de même. Quoi donc? De ne pas savoir combien? De ne pas savoir qui a reçu? Ou bien qui a écrit? Certes, les victimes ne parlent pas. Le corbeau a su sans doute viser juste. N'importe quoi. Sont que des infamies sans fondement. La vérité blesse souvent plus que les mensonges, mon cher. Madame, vous me direz comment vous vous sentez après cela. 10 jours et vous verrez. Merci, docteur. Allez, bonjour chez vous. Au revoir. Au revoir. Bon, la personne suivante, hein, monsieur Burton, entendez. Bonjour, docteur. Par ici. Appelez-moi Owen, je vous prie. Asseyez-vous là. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Votre jambe semble aller mieux.
Nous vous enlevons le plâtre dans 2 jours, non? Oui. Votre mine est reposée. Le bon air vous fait le plus grand bien. En fait, Owen, je ne viens pas vous consulter pour ma jambe ou même ma santé. Cette histoire de lettre anonyme commence à prendre une tournure inquiétante. J'espère que votre sœur n'est pas trop perturbée. Bon, Johanna, c'est une dure à cuire. Non, non, non. Je trouve ça extrêmement comique. C'est la première fois que ça lui arrive, vous comprenez? Encore heureux. Et nous avons eu aussi la visite de Mrs. Baker, dont la fille, notre petite servante, refuse de revenir travailler chez nous. Oui, après avoir été informée par le corbeau que j'étais un satyre, eh bien, elle ne pense que du mal de moi. Mrs. Baker suggère que Mrs. Klitz... Que Mrs. Klitz serait le corbeau, n'est-ce pas? Mrs. Baker et tous ceux qui accusent Mrs. Klitz se trompent. Tout ça parce que cette créature est bizarre, qu'elle vous regarde d'un drôle d'air. Je la connais et je peux vous assurer qu'elle n'est pas du genre à écrire des lettres anonymes. Mais alors qui? Vous avez une idée, Owen? Non, aucune. Le corbeau se protège bien. Mais tôt ou tard, il commettra un impair. À moins que, d'ici là... Owen? Owen, tu as une minute? Oh, vous étiez là, Mr. Burton. Entre, aimez. Vous connaissez ma sœur, Jerry? Bien sûr. Nous nous sommes vus hier soir chez les Symington. Vous allez bien? Oui. Alors vous m'aviez remarqué. Vous n'aviez Dieu que pour la belle gouvernante de ce bon notaire. Mais pour qui donc se prend cette fille? Une vraie Messaline. Tu ne trouves pas, Owen? Elle manque de la plus élémentaire pudeur à la place qu'elle occupe dans une maison bourgeoise. En tout cas, je pense qu'elle serait ravie d'être débarrassée de cette petite peste de Meghan. Aimée. Je vous laisse. Owen, n'oublie pas que nous dînons chez le pasteur et Mrs. Calthrope. Oh. À bientôt, Mr. Burton. Oui. Portez-vous mieux. Plus que 2 jours pour votre plâtre, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Courage. J'avais oublié l'invitation chez ces maudits Calthrope. Les avez-vous rencontrés? Oui, brièvement, hier soir, chez les Symington. Le révérend a l'air d'un saint homme. Son épouse, en revanche, m'est apparue difficile à cataloguer. Pas du tout le type habituel de femme de pasteur. Une créature étrange. On ne sait jamais trop quoi lui dire. J'avoue que son comportement a parfois même quelque chose d'inquiétant. Je la vois souvent rôder par les rues de Linstock dans son éternel ensemble de tweed verdâtre, qu'il pleuve ou qu'il vente. Oui, étrange, mais c'est Mrs. Calthrope. Voilà. Pourrait-elle être le corbeau? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais vous savez, c'est comme dans les romans policiers. Tout le monde, à un moment ou à un autre, doit être soupçonné. Même nous. Johanna, tu es là? Oh, Meghan, tu es ici, pour une surprise. Pensez-vous que je peux rester déjeuner avec vous? Si Partridge, je n'y vois rien à dire. Avez-vous vu Johanna? Partridge m'a dit que Madame était sortie. Et mon incursion ne semble pas être vue d'un bon œil. Elle ne voulait pas que je reste ici à vous attendre. Ne vous faites pas de soucis, Meghan. Je fumerais bien une cigarette. En voulez-vous une? Non. Je ne crois pas. Cela me donnerait trop l'impression d'être une personne réelle. Qu'entendez-vous par là? Asseyez-vous. Pardonnez-moi, je parle à tort et à travers. C'est d'ailleurs ce que me reproche mon beau-père. Oh, regardez. J'ai réparé moi-même mon bas qui avait filé. Vous voyez? Parfait. Votre sœur s'y entend pour ce genre de choses? Elle? Oh, je crois qu'un bas filé est aussitôt mis au rebut. Je ne peux pas en faire autant.
Je ne suis pas riche, moi. Je suis la pauvre belle-fille de Monsieur Symington. Vous, Monsieur Symington vous a pourtant accepté comme sa propre fille. Et quel âge avez-vous donc, drôle d'enfant? Vous ne le saurez pas. Je dois vous paraître horrible, n'est-ce pas? Horrible. Mais je vous aime bien, vous savez, Monsieur Burton. Vous n'êtes pas comme les autres hommes. Mais pourquoi donc vous trouverais-je horrible? Parce que je le suis. Parce que je le suis. Ne soyez donc pas stupide. Je ne suis pas stupide. Ça, c'est ce que les gens croient. Ils ignorent que j'ai deviné qui ils sont en réalité. Et je les hais. À ma place, vous aussi, Monsieur Burton, vous ne pourriez qu'éprouver de la haine pour les gens. Non? Megan, comment pouvez-vous parler ainsi? Vous haïssez tant que cela, le genre humain? C'est toujours ce qu'on vous répond quand vous dites la vérité. Ma mère me déteste. Vous savez que les chattes dévorent les chatons qu'elles détestent? Si ma mère avait pu me dévorer... Alors elle m'a collée dans un horrible pensionnat. À présent, elle ne rêve plus que de me voir déguerpir. Pourquoi ne partez-vous pas? En effet, vous pourriez faire un apprentissage quelconque. Il n'en est pas question. Non, pas question. Eux, ils aimeraient bien me voir partir. Mais moi, je préfère rester. Oui, rester. Ici, oui. Rien que pour leur rendre la vie impossible. Allons. Allons, dégage. Séchez vos pleurs. Ah, j'entends Johanna qui arrive. Cessez de pleurer. Elle pourrait croire que je vous ai fait du mal. Et... Allons. Vous montez jusqu'à la salle de bain. Nous n'allons pas tarder à passer à table. Me voilà. Je suis en retard parce que je dois être terriblement furieuse. Quelle tête tu fais? Jerry, quelque chose ne va pas? As-tu fait bon voyage? Oh, parfait. J'ai eu le temps de lire ce livre. Ce n'est pas un vulgaire policier. Tant mieux. Trop de gens lisent ces inepties. Je n'aime que les classiques, c'est bien. De la psychologie. De la psychologie avant tout. Quelle nouvelle de Sainte-Mérimide? Donne-moi ça. Non. Ça ira. Oh, à Sainte-Mérimide, rien de bien palpitant. Eh bien, ici, nous vivons dans la peur, tu sais. Comment cela? Des lettres anonymes qui nous accablent de leur venin. Oh, tu en as reçu une? Non, pas moi, Dieu merci. Oh. Mais mes nouveaux locataires sont sous le feu du corbeau. Stupide oiseau de malheur. Ah, tu leur promettais du calme, ils doivent être ravis. Oh oui, c'est terrible. Tu ne m'as pas fait venir pour cela, j'espère. Jeune, oh, comment peux-tu penser une chose pareille? Ah. Allons, viens. Mr. Burton. Mr. Burton. C'est affreux, vraiment affreux. Bon, Partridge, calmez-vous. Que se passe-t-il? C'est Mrs. Symington, monsieur. Elle est morte. Quoi? Oui, morte. Comment ça? Il paraît qu'elle s'est suicidée. Elle venait de recevoir une de ses lettres et à ce qu'on dit, elle ne l'aurait pas supportée. Jerry? Qu'est-ce que j'entends? Mrs. Symington? Oui, Johanna.
Il semblerait que ce soit à cause d'une de ces satanées lettres anonymes. Une lettre du corbeau? Non, ces lettres sont infectes, mais je ne comprends pas qu'on se suicide pour autant. Sauf si ce qu'elles disent est vrai. Nous devons faire quelque chose, au moins pour Meghan. Nous devons l'aider et la sortir de là. Allons-y. Bonjour, Burton. Ce que je redoutais, c'est finalement produit. Fichue histoire. Bonjour, docteur Griffiths. Oh, oh, bonjour, mademoiselle Burton. J'ai la tête ailleurs, je ne vous avais pas vu. Je suis pourtant grandeur nature. Il s'agit bien de... Il s'agit bien d'un suicide. Elle a écrit « Ça n'est plus possible » sur un bout de papier. On a trouvé l'enveloppe par terre à côté de son fauteuil et la lettre froissée en boule. Et qu'est-ce que... Oh, excusez-moi. Non, non, ne soyez pas gêné. De toute façon, la lettre sera lue à l'enquête. Elle est du même style ordurier que les autres. Cette fois, on prétend que Colin, le cadet, n'est pas le fils de Symington. Sans cette lettre, Mrs. Symington ne se serait pas suicidée, non? Je la soignais depuis quelque temps. Je crois plausible que le choc causé par la lettre ait pu la mettre dans un tel état de fatigue et d'abattement qu'elle ait décidé d'en finir. Elle s'est peut-être convaincue que son mari ne la croirait pas si elle niait. Et sous l'emprise de la honte et du dégoût, elle a perdu toute faculté de jugement objectif. Et Meghan? Je l'ignore, je ne l'ai pas encore vue. Mais on m'a dit qu'elle n'avait pas quitté la maison. Si vous aviez la gentillesse de vous occuper d'elle. Oui. Cela m'ennuie de la savoir seule. Elle doit être si désemparée. Voir sa mère morte comme ça, tout d'un coup. Entrez, je vous en prie. Le médecin l'a bien dit. Je ne pourrai jamais vous remercier assez de tout ce que vous avez fait. Vous faites encore pour vous, Miss Holland. Laissez-moi continuer à vous aider de mon mieux. Ne vous tracassez pas pour les enfants. Vous êtes très gentille. C'est affreux, n'est-ce pas? Pourrions-nous vous parler une minute? Nous ne voulons pas déranger Mr. Symington. C'est un tel choc pour lui. Bien sûr, je m'étais rendu compte qu'elle était à bout de nerfs ces derniers temps. Il y avait des jours où on ne savait pas comment la prendre. Voilà, si nous sommes ici, c'est pour proposer à Meghan de venir passer quelques jours chez nous. Si elle en a envie, évidemment. Meghan? C'est très aimable de votre part, mais c'est une fille tellement bizarre. Nous pensions que ça vous aiderait. Ça, c'est certain. Il faut que je m'occupe des garçons et de ce pauvre monsieur Symington. Je n'ai pas le temps de m'occuper de Meghan. Je crois qu'elle est en haut, au dernier étage. Très bien, je vais voir. Meghan? 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 Meghan, où êtes-vous? Meghan, que faites-vous là, assise par terre? Relevez-vous, je vous en prie. Je ne veux voir personne. Allons, levez-vous, soyez raisonnable. Je comprends votre chagrin. Joanna et moi sommes venus pour vous proposer de loger quelque temps chez nous. Oh. Oh oui, emmenez-moi loin d'ici. Ce lieu est tellement horrible. Ne partez pas sans moi, je vous en supplie. Venez. Oh, quand je serai arrivée chez vous, je crois que je ne pourrai plus m'arrêter de parler. Comment allez-vous, Aimée?
Bien. Je voulais juste vous dire que c'est vraiment très généreux d'avoir pris Megan Hunter sous votre aile. Il est vrai qu'après ce qui s'est passé... Oui, cette pauvre enfant a trop souffert de la solitude. J'avais suggéré à sa mère de l'inscrire chez les guides. Megan, chez les guides? Vous plaisantez? Pas loin du monde. Ça lui ferait le plus grand bien. Pauvre Dick Symington. C'est un homme fier, vous savez. Imaginez-vous qu'une blanche colombe avalerait du cyanure si elle se savait innocente de ce dont on l'accuse ? Vous n'imaginez pas que... À mon avis, Dick savait très bien à quoi s'en tenir. Il n'est pas aussi naïf que mon cher frère. J'ai appris ce qui avait dû se passer hier. La mort de Mrs. Symington se situe entre 15 et 16 heures. Elle était seule à la maison. Les domestiques avaient leur jour de congé. Elsie Holland était, elle, en promenade avec les jumeaux. Et Megan était partie faire un tour à bicyclette. Ah, elle était donc seule. Et la lettre est arrivée à ce moment-là. Par le courrier de l'après-midi, sans doute. Mrs. Symington l'a ramassée dans la boîte. Elle l'a lue, puis, très perturbée, elle est allée jusqu'à la remise du jardin pour y prendre le cyanure destiné à la destruction des nids de guêpes. Mr. Burton, Miss Burton, il y a là un monsieur de la police qui désire vous parler. Mais faites-le entrer, Partridge. L'inspecteur veut sûrement avoir votre avis. Je lui ai dit pour votre lettre du corbeau. Vous ne m'en voulez pas? Pas le moins du monde. Je vous raconterai plus tard. Pardonnez-moi. Bien entendu, je vous en prie. Aimé. Bonjour, je suis l'inspecteur Nash chargé de l'enquête sur la mort de Mrs. Symington. Bonjour, Jerry Burton. Enchanté. Ma sœur, Joanna. Madame. Je suis à la recherche de toutes les missives du corbeau de Limstock et l'on m'a dit que vous étiez l'une des cibles de cet individu. Oui, j'ai gardé la lettre. Un souvenir de Limstock. Quel souvenir? Oui, je vois. Et je constate que cette fois encore... Le corbeau utilise les caractères découpés dans un vieux livre. Quant à l'enveloppe, on y a tapé le nom et l'adresse à la machine. Une vieille Windsor sur laquelle le A et le T ne sont pas alignés. Une vieille Windsor. Vous avez donc remonté la piste de la machine à écrire, inspecteur. Parfaitement. Elle appartenait à l'étude notariale de Maître Symington. Mister Symington. Laissez-moi finir. Maître Symington... On a fait cadeau à la maison des femmes du village il y a quelque temps. Toutes ces dames de Limstock peuvent donc s'en servir. Pardonnez-moi, inspecteur. Oui. Partridge? Non, Jerry Burton à l'appareil. Oh, pourrais-je parler à Partridge, s'il vous plaît, monsieur? Oui, bien sûr. De la part de qui? Agnès Vadol, monsieur. Un instant. Partridge! Partridge! Quelqu'un vous demande au téléphone. Pour moi? Oh. Je suis confuse, monsieur. Pardon. Qui? Agnès va... Veld... Agnès. Désolée, monsieur. Prenez l'appel dans le petit bureau. Nous devons encore parler avec l'inspecteur. Bien sûr, monsieur Burton, bien sûr. Pardon, inspecteur. Oui, je vous passe Partridge. Merci, monsieur. Pardonnez-moi encore. Non, Agnès, je vous en prie, il n'y a pas de mal. Partridge? Merci, monsieur. Bon. Où en étions-nous? La machine Windsor. Oui, de la maison des femmes. Vous soupçonnez quelqu'un? J'ai des doutes, mais aucune certitude. Bien, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, je m'en vais. Permettez-moi de garder cette lettre comme pièce à conviction. Bien entendu. Je voulais la montrer à mes amis de Londres, mais bon. C'est pour l'enquête, madame. Laissez-moi vous raccompagner. Non, ça ira. Bonne journée.
Bonne journée, inspecteur. Inspecteur, tenez-nous au courant. Te voilà dépouillé de ta lettre. Tu as remarqué, Joanna, que l'on se sent toujours coupable devant la police. Coupable ? De quoi ? Je ne sais pas. C'est un sentiment étrange. On a tous quelque chose à cacher, et la police a l'air de vouloir vous faire dire tous vos secrets. Bêta. Mais rien à voir. Sais-tu où est passée Megan ? Megan a disparu depuis ce matin. Je me suis inquiétée, j'ai fini par téléphoner chez les Symington, et l'on m'a appris qu'elle était rentrée chez elle. Le comportement de cette fille m'échappera toujours. Alors, comment trouvez-vous mon gâteau au chocolat, monsieur Burton? On l'appelle mort délicieuse. Un vrai régal, Miss Burton. Je l'ai fait en l'honneur de Jane. Trop d'égards, Emily. Tu en raffoles. Je vous rejoins, Miss Marple. C'est plus délicieux que mortel. Je l'espère. En ce moment, oui. Oui. Le moins que l'on puisse dire est que la période est assez agitée. Le corbeau ne nous laisse aucun répit. Cette affaire de lettre anonyme est bien attristante. Oh, mais je vais demander à Florence de nous refaire un peu de café. Florence ! Florence ! Florence ! Florence ! Mais où est-elle donc passée ? Florence, ma fille, refaites un peu de café pour nos invités, voulez-vous ? Et ne faites pas cette tête. Vous avez l'air bouleversée. Rose, la cuisinière des Symington sort d'ici. Elle vient de m'apprendre une horrible nouvelle. C'est Agnès. Agnès Vadel, la petite bonne du notaire. On l'a retrouvée morte. Morte ? Comment ? Agnès Vadel ? C'était elle au téléphone hier, non ? Oui, oui. Morte, mais quand ? Oui, elle est morte. Elle, on l'a retrouvée dans un placard, sous l'escalier, toute recroquevillée et froide. Froide ! Oui, c'est atroce. Atroce, en effet. Dieu de tous les saints. Il paraît qu'elle n'était pas rentrée depuis la veille. Et M. Symington pensait qu'elle avait fait une fugue. Rose dit que la police est sur les lieux. Jane, tu devrais y aller, toi aussi, pour les aider. Emily, la police fait son enquête. Et tu es meilleure qu'eux. Sachez que Jane est une merveilleuse enquêtrice. Qu'elle résout ce qu'il y a de plus retors. Ne dis pas n'importe quoi, Emily. Chérie, ne crois-tu pas que nous devrions y aller, nous aussi ? Je pense à Megan. La malheureuse doit être dans un état. Tu as raison. Miss Marple, vous nous accompagnez. Je pense à ce pauvre Dick Symington. C'est une nouvelle épreuve pour son foyer. Tu devrais lui venir en aide, Emily. Il était très tôt ce matin et je suis descendue à l'office. Voilà, Megan. Chut, ça va aller. Et après ? Rose était très en colère après Agnès, qui n'était toujours pas rentrée. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner lorsque Rose, qui était montée jusqu'à la chambre d'Agnès, en est redescendue en me disant que son manteau et son chapeau s'y trouvaient. Ça voulait dire qu'elle était là, non ? C'était vraiment étrange. Oh, elle n'était pas partie alors. Oui, et c'est par hasard que j'ai ouvert le placard sous l'escalier, et alors je l'ai vue. Par hasard ? Je fouillais comme ça, madame. Tiens-toi tranquille, tu veux ? C'est pas le moment. Miss Burton, monsieur Burton, vous êtes là.
Miss Jane Marple. J'ignorais que vous étiez là. C'est une chose épouvantable, n'est-ce pas? Épouvantable, en effet. Miss... Elsie Holland. Je suis la gouvernante des enfants de Monsieur Symington. Enchantée. Bonjour, Miss Holland. Et que dit la police? S'agit-il d'un meurtre? Megan ne vous a pas dit? Elle a l'air... Oui, c'est sans doute un meurtre. Agnès a été frappée à la nuque. Et ses cheveux étaient pleins de sang. À présent, je dois aller m'occuper des garçons. Vous trouverez Monsieur Symington dans son bureau avec l'inspecteur Nash. Je vais aller rejoindre, Jerry. Je reste avec Megan. Oui. Je vous accompagne. Allons-y. Entrez. Asseyez-vous, Monsieur Burton. Miss... Miss Marple. Vous n'avez pas tardé, Mr. Burton. Comment avez-vous su? Je prenais le thé avec ma sœur chez Miss Barton. Nous avons rencontré Miss Marple, qui a déjà résolu des affaires criminelles. Attirée par l'odeur du crime, Miss Marple? Miss Barton m'a un peu forcé la main. Cette vieille punaise de Barton, elle ne peut pas... Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Je vais voir les enfants. Miss Marple, excusez-moi encore. Mr. Burton. Inspecteur, je suis à votre disposition. Bien entendu. Bien entendu. Pauvre homme. Inspecteur, à quand remonte la mort d'Agnès Vadel? Hier après-midi. Vu la rigidité du cadavre, le crime a dû être commis alors qu'Agnès Vadel se trouvait seule à la maison. La cuisinière avait pris son après-midi. Maître Symington était parti à 14h30 pour son bureau. Megan était en ville et donc c'est entre 14h et 16h30 que l'assassin a opéré. Agnès devait sortir, mais elle n'en a pas eu le temps, puisque lorsqu'on l'a retrouvée morte, elle portait encore sa coiffe et son tablier. De quelle façon s'y est pris le tueur? Oh, bouchez-vous les oreilles, Miss Marple. Elle a d'abord été assommée par derrière, puis on lui a enfoncé une broche à rôtir à la base du crâne. Tout cela avec un réel sang-froid. Avez-vous déjà des soupçons? C'est un crime d'une extrême détermination. Vous me permettrez d'être discret, mais je puis vous révéler quelque chose. L'après-midi où sa patronne a mis fin à ses jours, Agnès était normalement congée. Mais en réalité, elle était restée ici. Elle aurait dû retrouver son petit ami Fred Randall, le commis de la poissonnerie, mais... Il s'était querellé à la suite d'une lettre du corbeau lui signalant qu'il n'était pas seul en compétition auprès de la fille. Agnès avait donc décidé de ne plus sortir avec lui tant qu'ils n'auraient pas réglé la question ensemble. C'est donc lié. Vous pensez que la malheureuse aurait pu être témoin de l'arrivée de la lettre anonyme destinée à sa patronne? Sachez que la lettre a été déposée par le corbeau lui-même qui avait collé un timbre usagé sur l'enveloppe. Agnès était à l'office, espérant voir arriver Fred Randall, et elle a vu quelqu'un d'autre. Elle en a conçu un terrible malaise et... Elle a appelé chez nous pour parler à Partridge. Vous étiez là. En effet. Il me faudra parler à Partridge, c'est cela. Oui. La nouvelle qu'Agnès Vadel avait vu le corbeau a pu être colportée. Mais que voulez-vous dire, inspecteur? Que Partridge aurait pu... Non. Vous connaissez mal la campagne, Mr. Burton. En effet, vous connaissez bien mal la campagne. Tout se sait, tout se dit. Partridge sera à votre disposition, inspecteur. Merci. Nous devons aussi penser à celle ou ceux qui auraient pu surprendre cette conversation ici même.
Miss Holland ou Rose. En vérité, le cercle des suspects n'est pas très large. À présent, je dois me concentrer sur deux moments précis. L'après-midi de la mort de Mrs. Symington et l'après-midi d'hier où Agnès Vadel a été assassinée. Merci pour votre écoute, Mr. Burton. Miss Marple. Oh, n'hésitez pas. Dans un roman policier, lorsque le détective s'adjoint les services d'un personnage, celui-ci a quelque chose à voir avec le crime. Mais enfin, n'est-ce pas, Miss Marple? Qu'allez-vous chercher là? Vous n'êtes pas du genre à écrire des lettres anonymes, Mr. Burton. Je vous autorise donc à me suivre dans mon enquête. J'essaierai d'être votre brillant second. Tout va bien, je t'assure, Jerry. Te voir ainsi, je n'en suis pas aussi sûre. Non, ça va, je te dis. Mais, qu'as-tu dans la main? Une nouvelle lettre. Non, une photo. C'est Owen qui me l'a donné. Le cliché d'un foie malade. Je vois. Owen était donc ici. On dirait que ce bon docteur trouve ta compagnie plus douce que celle de sa propre sœur. Cette femme me sort par les yeux. Oui, Owen aime bien passer du temps ici. Avec toi. Avec toi. Ne tire aucune conclusion. Ah, aucune. Il vient ici pour te donner des photos de foie malade, voilà tout. Rien de mal. Jerry. Allez, donne-moi le charmant cadeau de ton soupirant. Oh, enfin, voyons. Tu l'as tout corné. On le fera encadrer. Oh, idiot. Je vais d'abord le glisser entre deux livres pour l'aplanir. Attention au livre de Miss Barton, elle y tient certainement beaucoup. Il n'a rien, ne t'inquiète pas. Oh. Regarde. Regardez quoi? Ces caractères ne te rappellent rien? Ces lettres-là? Oui. Regarde. On dirait celle que le corbeau utilise pour ses découpages. Et en effet, on dirait. Oh, des pages ont même été arrachées. Tu penses que Miss Barton... Non, elle... Le corbeau? L'inspecteur Nash va suivre cette piste. Mais moi, je n'arrive pas à croire que Miss Barton puisse être responsable de la mort de ta mère en tant que corbeau. Jerry. Cher Megan, va tellement pouvoir trouver la solution de toute cette affaire et te sortir de ces moments si difficiles. Jerry, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je voudrais te dire quelque chose d'important. Quoi? Sur le corbeau et la mort de ma mère. Oui. Tu as vu quelque chose? As-tu reçu des menaces? Le corbeau t'a écrit? Raconte-moi. Non, je n'ai rien reçu. Ce n'est pas ça, c'est que j'ai... Comment dire? Pas douce, Megan. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Je suis là pour toi. J'ai peur de... Si je te le dis, il pourrait m'arriver malheur. Comment ça? Mais parle, Megan. Parle. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je te protégerai contre tout. Jerry, tu me connais à peine. Pourquoi prends-tu autant soin de moi? Je crois que... Alors que je ne suis qu'une affreuse lâche. Affreuse. Je ne te mérite même pas. Non, ne dis pas ça. J'ai vu ça. Monsieur Burton. Megan. Quel charmant couple que voilà. N'est-ce pas, Jane? Megan.
Lydia, nous vois-tu? Qu'est-ce que je dis pour la faire fuir comme ça? Oh, c'est tout. J'irai voir ce qu'elle a, ne vous en faites pas. Cette jeune fille semblait bouleversée. Megan semble savoir quelque chose, une chose qui la terrifie. Elle allait me dire... Cher Mr. Burton, le danger est bien réel. Une grande menace plane sur cette jeune fille. J'ai mené ma petite enquête. Sachez que dans ce genre d'affaires, il faut toujours se méfier des idées toutes faites. Parfois, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais le contraire. Jerry, c'est vous ? Spectre. Oui, chut. Vous m'avez dit de venir, me voici. Mais surtout pas un bruit. Regardez. Ils sont là. La porte du salon est entrouverte. Alors prends patience, les gars. J'ai trop attendu. C'est Megan. C'est sa voix. C'est maintenant où je parle à la police de ce que je vous ai eu faire avec les cachets dans la chambre de maman le jour où elle est morte. De quoi parles-tu, pauvre enfant? Vous le savez très bien. J'attends l'argent qui me revient. Megan, il nous faut intervenir. Respecte. Chut. Écoutez. Ton argent? Oui. Sinon, je dirai tout. Tu m'entends? Tout. Ne bougez surtout pas, Burton. Attendez-moi là, et pas un mot. Spectre ? Megan ? Jerry ? Oh, Miss Marple ! Pourquoi êtes-vous là ? Et vous, caché comme ça, vous n'avez pas trouvé Megan? Où est l'inspecteur? Chut! Il a fait le tour. Megan est en danger. Votre petite amie est très courageuse d'affronter seule Maître Symington. Elle ne m'avait pas dit clairement ce qu'elle comptait faire. Je l'en aurais empêché. Mais nous sommes arrivés trop tard. Vous tenez beaucoup à cette jeune fille. Oui, c'est... J'arrive, inspecteur. Vite, aidez-moi à l'allonger sur le sofa. Mon Dieu, Megan, elle n'est pas... Non. Juste évanouie. Ça ira, n'ayez crainte. Que s'est-il passé? Il était temps. Symington l'avait bâillonné et allait lui mettre la tête dans le four. Où est Symington? Un de mes hommes attendait de l'autre côté de la maison. Il l'a maîtrisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Symington, c'est donc lui qui a... C'est lui qui a tué cette pauvre Agnès. Agnès. Et sa femme aussi. Tout est lié. Parfaitement. Je vous ai dit que parfois la forêt cache l'arbre. Eh bien, Symington a réussi à faire croire à l'existence d'un corbeau terrorisant tout Limstock. Pour mieux dissimuler ses véritables intentions. Dans le but d'assassiner sa femme? Tout à fait, inspecteur. Il s'agissait seulement d'une habile manœuvre de diversion. Son but était de se débarrasser de Mrs. Symington pour convoler avec l'élu de son cœur, la belle gouvernante. C'est lui l'auteur de toutes les lettres? Mais comment? Il avait tapé toutes les enveloppes avant d'offrir la machine à écrire à la maison des femmes, afin d'éloigner les soupçons. Mais comment pouvait-il savoir que nous viendrions habiter à Limstock? J'ai bien examiné l'enveloppe de votre lettre. Celle-ci était en fait destinée à mon amie Miss Barton. Vos noms si proches furent une chance pour lui. Il n'avait qu'à modifier le A en U et faire croire qu'il observait la ville au jour le jour. Il a eu beaucoup de chance. Mais pas tant que cela. Sans Agnès Waddle, il aurait pu s'en sortir.
Mais cette pauvre fille a été le grain de sable dans ce plan diabolique. Symington a lui-même déposé la lettre destinée à sa femme une fois son crime commis. Et c'est cela qui a troublé Agnès Vadel. Car, guettant son amie par la porte de l'office, elle n'a vu personne déposer l'enveloppe, ni aller la prendre dans la boîte aux lettres, avant l'heure supposée du suicide de sa patronne. Et donc la lettre ne pouvait venir que de l'intérieur de la maison. Oui, Mr. Burton. Et devant les soupçons de sa servante, Mr. Symington ne pouvait dès lors que la faire taire. Tout ceci se tient, mais comment au juste expliquez-vous le mot d'adieu laissé par Mrs. Symington? Quand on examine au plus près ce mot, ça n'est plus possible. On constate qu'il a été découpé dans un message certainement plus large. Là aussi, une chance pour Symington. Car sa femme lui avait sans doute écrit qu'elle ne pouvait plus supporter son attitude vis-à-vis de la gouvernante. Il n'a gardé que la phrase, laissant supposer un mal-être entraînant un suicide. Mais il a collé sur l'enveloppe un timbre-poste déjà utilisé. Il n'y a pas de petites économies. Mon Dieu, que m'est-il arrivé? Oh, Jerry, vous êtes là. Oui, je suis là, ma jolie. Oh, vous êtes hors de danger. Et Miss Marple nous a tout expliqué. Mais vous aussi, intrépide jeune fille, vous aviez tout compris. Et vous avez joué un jeu dangereux. Occupez-vous bien d'elle, Mr. Burton. Je vous laisse à présent. Emily doit s'inquiéter de mon absence. Ah, Mr. Burton, j'oubliais. Faites mes amitiés à votre sœur. Je suis persuadée que le docteur Griffith sera tout à fait en mesure de rendre heureuse une aussi charmante jeune femme. Oh, mais...